Nous sommes venus, en cette année débutante, présenter nos vœux. Dieu nous a fait grâce et nous avons vu cette année 2023 avec notre papa, avec le père, le patron, le président de notre parti. Nous sommes venus nous souhaiter nos vœux de bonnes et heureuses années 2023, surtout beaucoup de santé et de longévité, afin que Dieu Tout-Puissant lui accorde toujours diriger notre parti avec sagesse comme il a toujours fait et surtout conduire le navire du PDCI RDA vraiment à bon port. Nous sommes venus également lui faire le compte-rendu parce qu'il nous a donné sa bénédiction et c'est sous son haut patronage que nous avons organisé cette rentrée politique au niveau de la délégation Yopougon Centre à Yopougon. Et donc nous sommes venus lui faire un peu le compte-rendu, lui dire comment cela s'est passé, lui dire merci pour son haut patronage et lui expliquer un peu comment les militants se sont mobilisés. Il y avait plus de 3000 personnes qui se sont mobilisées et tous les militants de Yopougon Centre, oui, aujourd'hui soutiennent, réaffirment leur soutien aux actions du président Aimé Henri Konan Bédié. Ça, nous avons tenu à le lui dire. Et nous lui disons toujours que nous sommes là pour œuvrer comme des soldats, pour œuvrer au rayonnement du parti du PDCI RDA dans cette grande et belle commune de Yopougon. Et puis à la fin, il y avait cette triste nouvelle. Nous avons profité pour lui souhaiter vraiment toutes nos condoléances des décès qui le frappent en ce moment. Voici un peu l'objet de notre visite ici à Daoukro auprès de notre papa, du président Aimé Henri Konan Bédié. Ben, le président Bédié, il était d'abord tout heureux de nous revoir parce qu'il avait envie de nous voir. Donc il nous a félicités pour cette belle manifestation que nous avons organisée et nous a dit de continuer de travailler pour le rayonnement du parti en Côte d'Ivoire. Il a réaffirmé son soutien à notre personne et à notre travail pour le PDCI RDA et il nous a dit qu'il était avec nous. Voilà ce que le président nous a dit.